Premier ministre Gary Conille levé plume sous dos tout haïtien haïtienne dans tout pays dans monde là principalement en dedans pays d'Haïti a qui une déclaration droite et gauche en pile monde estimé que le même fait dans ça qui gain awe avec question opération policière qui doit organiser dans pays d'Haïti mais qui est qui pral faire opération ça et bien qui te me dit premier ministre là déplacé quitté pays d'Haïti depuis week-end passé à dans vendredi aller dans pays États-Unis pour qu'elle aille régler quelque chose pour pays si là en tant que premier ministre malgré gen gros division qui fait qui gagne entre lui-même ensemble avec on sait de l'autre branche mais ça qui est important li déplacer madame monsieur pour que lui-même là régler za fait pays d'Haïti même gens avec plusieurs l'autre avec plusieurs l'autre ministre yo te kon habitué fait c'est pas dans bouche moi y a connait c'est Ariel Henry mais entre-temps premier ministre non, madame monsieur rivé dans pays États-Unis principalement en dedans Washington l'a parlé toute causée et c'est pral une occasion pour une média étranger mais nous voulons parler spécialement de RFI et bien qui t'a veillé premier ministre là tant qu'au chat et bien qui a veillé sourit pour qu'elle était capable d'une quelques mots dans bouche li dans ça qui gagne ouais avec ça que l'eau question insécurité a question sécurité avec question alimentaire et bien dans pays d'Haïti bon gros grand gros dans pays d'Haïti là tout oui bagaille yo pas facile non tout bagaille yo paraît compliqué mais en tout cas yo réussi joindre PM non poser les questions avec question insécurité qui gagne dans pays d'Haïti avec question territoire perdu gagne environ 80% territoire perdu côté gang yo prend yo et bien pièce pour ne pas capable circuler yo pas capable aller aucun côté c'est gang qui prend yo et bien la police nationale d'Haïti yo pas capable prendre depuis sous Ariel Henry yo pas de ni monter ni descendre rien pas jamais fait et bien madame monsieur lorsque RFI joigne PM non a posé la question sous question insécurité a comment que on va le faire parce que gen soldat Kenya qui débarque dans pays d'Haïti qui gagne environ plus que 8 jours depuis au débarqué dans pays là pour que jambe gen aucune opération qui fait pendant opération ça pas qu'on fait là pour que jambe gen rien qui fait et bien gang yo entré yo fait en pile dégâts sous administration Normil Ramoa yo entré en dans commissariat Gresséa yo crasé yo boulé yo prend tout ça gagné yo fait policier voulé gagain yo touyé environ madame monsieur plus que 25 moun yo entré en dans commissariat Saint-Charles là yo touyé yo boulé yo prend environ en question de on quantité panneaux solaires yo aller avec lui c'est 16 liés oui et pas bagarre petit non yo aller ensemble avec yo et bien PM non li là États-Unis FI a constaté l'a observé yo pral poser la question sous insécurité ça qui a pas problème dans pays d'Haïti côté nèg vivant sans yo yo metti n'a poser question yo pral mandé PM non et bien question insécurité ça qui gagne dans pays d'Haïti a puisque force Kenya dans l'entrée dans pays d'Haïti yo poko wè aucune opération fait yo wè poko gen rien qui fait mais qui ça pral fait même qui ça pral régler et bien PM n'a pral choisi pour le faire connait qui entité exactement qui pral bay sécurité qui entité qui pral créer moyen madame monsieur pour bay sécurité pour chasse pour courir des gang yo pour chasser yo craser foyer gang yo éliminer yo malgré il t'ai déjà dit faut que tout bandi yo baisser les armes entre-temps on va inviter à attendez comment PM nan madame monsieur il t'a parlé comme quoi que eh bien moun qui doit bay sécurité a moun qui doit chasser gang yo gon équipe eh bien c'est camper ou pral camper yo pral observer yo pral garder mais gon l'autre équipe tout c'est eux même qui pral courir derrière gang yo pour bay sécurité dans pays d'Haïti entendez nommé il y a tout juste un mois c'est votre premier voyage officiel qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Washington des appuis financiers des conseils pour diriger Haïti nommé depuis un mois mais installé ça fait à peu près 2 semaines et j'ai un gouvernement ça fait un peu plus d'une semaine et demie à peu près. La démarche de Washington rentre dans le cadre d'un effort que nous sommes en train de faire pour regalvaniser dans une certaine mesure la communauté internationale autour du dossier haïtien. Un, pour rappeler la situation d'Haïti où 80% du territoire de la zone métropolitaine est contrôlée par le gang, où la moitié de la population est en insuffisance alimentaire, où nous avons des problèmes qui sont très très sérieux. Donc ça fait partie de la démarche que nous sommes en train d'entreprendre pour nous assurer que la communauté internationale continue à nous accompagner. Vous avez promis. Attendez, madame, monsieur, déplacement premier ministre, il y a importance
avec question sécurité. Parce que yo l'aller avec question problème, ça qui a pas problème, c'est insécurité dans la zone métropolitaine. En dedans pays d'Haïti, côté nèg vivant ensemble, yo empêcher moun passer dans rue Saint-Honoré, dans Maglan-Amboise, dans rue Capois, tout côté où est palais national à lui-même lié dans la zone de la République. Bandi yo simé la terreur, yo fait ça qui ouvre. Et ben PM nan li même li aller dans pays États-Unis, li aller Washington pour la régler cause ça pour voir comment que yo capable aider. Et bien journaliste li même li choisi poser le question pour connait qui ça bagala li même lié. En aller ou pral tande qui est qui pral bay pays d'Haïti sécurité pendant ce temps un groupe a bay sécurité, on l'autre groupe même a camper garder. Que l'État haïtien reprendrait le contrôle des quartiers occupés par les gangs avec l'appui de la mission internationale de soutien à la police nationale haïtienne. Il y a un premier contingent de policiers kényans qui est arrivé la semaine dernière à Port-au-Prince. Combien sont-ils à ce jour sur le sol haïtien? Il y a à peu près 200, un peu plus que 200 dans le premier contingent et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, ce chiffre augmente de manière significative. Oui, car 2500 policiers de la force internationale doivent arriver à terme. Quand est-ce qu'elle sera au complet? C'est un processus qui est en cours. Je préfère ne pas parler de date exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est que les partenaires haïtiens sont très engagés et ils sont en train de prendre toutes les dispositions pour que ça se fasse le plus rapidement que possible. Oui, il y a des problèmes logistiques, des problèmes de logement, notamment pour ces policiers kényans. Ce genre d'opération, en général, il y a toujours énormément de choses que nous devons résoudre, mais ce que moi j'ai vu et ce qu'on a compris dans les conversations que nous avons avec nos partenaires, c'est qu'ils comprennent bien l'urgence et ils sont très engagés à pouvoir offrir le support et l'appui qu'il faut pour que ça se concrétise. Pour l'heure, ces policiers kényans notamment font quelques patrouilles, mais il n'y a pas d'opération d'envergure. Quand est-ce que cette force va commencer réellement à remplir ses missions? Ça, l'important en pile, question opération, hein, force Kenya. Yo entré en deux pays ya. Jusqu'à présent yo gagné madame monsieur environ et on joue dans pays ya. Pièce moun pou ko ki sa ki yo a régler yo té entré c'est pour vinn bay sécurité pour aider police nationale là en yé pou ko a régler et mes population yo doué konnen ki sa ka régler en dedans pays d'Haïti ensemble avec force kenyan nan police kenya yo ki trouvé yo nan pays ça. La mission de cette force est évidemment d'accompagner la police nationale qui n'a jamais cessé de faire des opérations. Donc le lead dans la reprise de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par les gangs, ça sera toujours la police et l'armée d'Haïti. Donc c'est... Attendez, monsieur, est-ce que vous avez bien ça m'entendez là? Je vous invite à retendre une deuxième fois. Eh bien, territoire perdu, qui est-ce qui prend le dans le pays d'Haïti, dans mes gangs. Logistique, des problèmes de logement, notamment pour ces policiers kényans. Ce genre d'opération, en général, il y a toujours énormément de choses que nous devons résoudre, mais ce que moi j'ai vu et ce qu'on a compris dans les conversations que nous avons avec nos partenaires, c'est qu'ils comprennent bien l'urgence et ils sont très engagés à pouvoir offrir le support et l'appui qu'il faut pour que ça se concrétise. Pour l'heure, ces policiers kényans notamment font quelques patrouilles, mais il n'y a pas d'opération d'envergure. Quand est-ce que cette force va commencer réellement à remplir ses missions? La mission de cette force est évidemment d'accompagner la police nationale qui n'a jamais cessé de faire des opérations. Donc le lead dans la reprise de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par les gangs, ça sera toujours la police et l'armée d'Haïti. Monsieur, question sécurité dans le pays d'Haïti, c'est pas l'autre monde qui prend le bail pour entrer, pour aller prendre territoire perdu ça yo, tant pour l'autre prend bloc marché Salomon. L'opran rue Monseigneur Guillou, lorsque on prend en bas la ville, l'opran marché Kwabostal, côté Timalé et Malérez, ou al chercher la vie pour bailler madame avec Marie, avec petite, eh bien, tout territoire perdu ça yo, Malérez, Malérez, pas capable d'aller là, tout autant, c'est pas police nationale d'Haïti, ensemble avec l'armée d'Haïti, qui entre en bas ça yo pour al prendre yo. Ça veut dire que, si monsieur Kenya yo, qui entre dans le pays là, yo entre seulement pour yo vin bien manger, bien boire, jouer une petite femme yo pour y aller dans la main, jouer une petite femme pour y aller prendre plaisir dans la nuit, ensuite, malheureux, malheureuse, ap souffri, et bien qui est-ce qui prend le bail sécurité, c'est seulement policier national là, ensemble avec l'armée d'Haïti. Bagala compliqué, situation extrêmement difficile. Entre-temps, madame, monsieur,
tout le monde campé à regarder pour comment bagala lui-même il pralié alors que la police nationale d'Haïti nous gagnait petit monsieur FADHO. Et bien lorsque autant bagaille ça pendant ce temps petit monsieur yo pas touché parce que ça la police policier Kenya yo pral gagne cap touché environ $1,100 jusqu'à $1,500. Eh bien, alors que pour les policiers haïtiens, ce n'est pas un rien qui va toucher. Bagay ça, il fait plus me pousser sous dos policiers haïtiens. Il fait plus me pousser sous dos, eh bien, petit monsieur FADHO. Il fait plus me pousser sous dos toute population haïtienne qui sentit, ils ont indexé ensemble avec, eh bien, déclaration ça. Pour eh bien là pour qui nous gagne premier ministre Garry Conille li fait parce que ça c'est un dérespectant que lui-même nié lorsque population lui-même li sorti dans Ariel Henry tout le monde courir derrière la population courir derrière gang courir derrière pour tomber dans Garry Conille yo connaît qui pral bail eh bien morceau sécurité à population malgré monsieur et malgré monsieur Leblanc fils en tant que président conseil présidentiel là qui te dit le pays a pas qu'attendre c'est aller jusqu'au bout c'est marcher bien rapide pour comment qu'il est capable aider population à jeune tika sécurité a et bien premier ministre là la, déclaration qu'elle fait non micro la presse fait qu'on est c'est pas l'autre monde qui pral bail sécurité malgré il y a cop qui débloqué policier Kenya au débarqué dans pays d'Haïti c'est pas sécurité a vinn bay c'est pas gang yo pral chercher c'est pas déloger pral déloger gang yo c'est pas dans ghetto yo pral entrer pour yo déloger gang yo mais au contraire ti monsieur sa yo c'est yon aide qui yo pral bay comme ça mais vrai moun qui pral bay sécurité a li pa l'autre que c'est police nationale d'Haïti pour que capable aider population à sorti dans sa lia. En tout cas, madame, monsieur, bagala compliqué, mais on continue d'entendre comment PM dans lui-même il t'a parlé dans micro la presse. Donc c'est nous qui allons décider à quel moment, dans quel contexte et comment cet accompagnement sera nécessaire ou à une valeur ajoutée. Évidemment, nous allons discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider. 2500 hommes pour appuyer une police qui est en sous-effectif. En face, on estime qu'il y a plusieurs milliers de membres des gangs. Est-ce que c'est suffisamment dimensionné? Je pense qu'il y a trois considérations. La première, c'est que la sécurité, c'est pas seulement une affaire de police. C'est une intervention qui doit être beaucoup plus complète. Et le succès de l'opération ne peut que se matérialiser. La pérennité de l'intervention ne pourra se matérialiser que lorsqu'on aura pleinement réconcilié la police avec la communauté. Donc nous, quand on envisage les efforts de que nous sommes en train d'entreprendre, on a cette vision-là. Il nous faut vraiment renforcer la capacité de notre police. Et ce que ces contingents nous permettent de faire, c'est de nous appuyer en même temps que nous sommes en train de renforcer nos effectifs. On vient de graduer 455 policiers et des forces spécialisées. On va continuer à le faire de manière systématique. Donc, c'est pas une fin, l'accompagnement de la mission. C'est surtout, si vous voulez, un accompagnement bien spécifique et limité dans le temps, on l'espère, qui nous donne l'espace qu'il nous faut pour renforcer nos propres capacités. Est-ce que vous travaillez ça fait PM n'en parle pour lui-même, c'est pas l'autre bagaille. Si monsieur Kenya a campé en côté, la police nationale d'Haïti a travaillé, mais pour travailler sa fête, il contenter tout simplement se battre pour créer moyen pour capable gagner une quantité de policiers autant que possible. Après 455 policiers qui sont recevoir certificat aux semaines, dans mois qui sont passés, pour qu'ils soient capables de boumer, bataille contre gang qui a pas problème, li tient à ce que pour que capable toujours gagner autant de policiers possible pour que capable renforcer pour goumen contre gang yo, mais ti monsieur Kenya yo, c'est observer, yo pral observer, c'est garder, yo pral garder pour yo wè comment la police nationale d'Haïti avec l'armée d'Haïti pral goumen contre gang, eh bien monsieur ça même c'est protéger, y a protéger. En tout cas, bagala compliqué, plim pousser sous deux populations haïtiennes nan, bagala li dégénérer une situation qui extrêmement paraît grave et gravement grave. Entre temps, madame, monsieur, n'a invité pour que vous-même ou capable de continuer tendre, eh bien, premier ministre lui-même, qui t'a continué avec un interview si là, dans micro la presse RFI. On continue tendre comment situation lui-même liée. Cette lenteur relative du déploiement de la mission internationale de soutien, est-ce que cette lenteur
permet aux gangs de s'adapter, de voir comment s'adapter à la force qui va leur être opposée, tout simplement. Comme je vous disais tout à l'heure, la police nationale d'Haïti n'a jamais cessé de faire des interventions, n'a jamais cessé de protéger la population, évidemment avec les limitations que vous connaissez. Et donc, en ce sens, probablement, oui, je présume que les gangs sont en train de se positionner, mais ça, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire pour sûr, c'est que quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure que dans un délai pas trop lointain, l'État reprendra le contrôle de tout le territoire national. Jimmy Cherizier, c'est un puissant chef de gang, que l'on appelle barbecue. Il a fait savoir qu'il était prêt au dialogue la semaine dernière. Est-ce que vos équipes ont des contacts avec lui? Est-ce qu'on discute quand on est le gouvernement d'Haïti avec les gangs? Comme j'ai répondu à cette question il y a déjà quelques semaines, il faut d'abord déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État avant tout dialogue. C'est ça la première démarche. Vous déposez les armes, vous reconnaissez l'autorité de l'État et ensuite on verra. Au-delà de la sécurisation du pays, l'économie, le système de santé sont à terre en Haïti, n'existent pratiquement plus. Plus de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Comment est-ce que votre gouvernement compte répondre à ces urgences? Quelles priorités vous définissez? Le gouvernement de transition est en place sur la base d'un accord qui est l'accord du 3 avril et qui définit clairement les grands axes d'intervention et les priorités. Évidemment, il y a la sécurité, il y a la crise humanitaire, il y a les problèmes de corruption, entre autres, et certainement les élections. Nous venons de terminer 2 jours de retraite où les différents ministères ont complété des feuilles de route qui identifient très clairement comment nous allons avancer vers ces différentes priorités de manière organisée. Et justement, le but de cette visite, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que nos partenaires peuvent nous accompagner de manière très systématique dans la mise en place de différentes stratégies qui, à notre avis, devraient pouvoir aboutir. Je dois vous dire que, ce qui nous donne beaucoup, beaucoup d'espoir, c'est que au cours de ces dernières semaines, les partis politiques qui en général ne s'entendent pas ont pu arriver à un consensus pour construire un système de gouvernance qui a maintenant un conseil présidentiel de 9 membres. Ces 9 membres ont pu s'entendre sur un premier ministre. Nous avons pu mettre en place un gouvernement en 7 jours. La force est arrivée. La population a accepté plus ou moins cette formule transitoire. Donc, moi, ça me donne beaucoup. Et la communauté internationale est très mobilisée, beaucoup plus qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Donc je suis assez confiant qu'avec cet accompagnement, nous allons pouvoir réussir. Vous avez, Gary Conille, passé plusieurs années à l'étranger, comme dans la coopération internationale, avec les Nations Unies notamment. Si vous prenez un peu de recul, et je sais que c'est difficile, puisque vous êtes citoyen haïtien avant tout, comment est-ce que vous, d'un point de vue presque technique, professionnel, vous jugez l'état de votre pays aujourd'hui? La situation est excessivement complexe. Et c'est pas parce que, comme vous dites, c'est pas seulement parce que les gangs contrôlent la majorité du territoire, c'est pas seulement parce que nous avons, comme vous venez de dire, 4,5 millions de personnes en insécurité alimentaire. Ce n'est pas seulement à cause des problèmes de développement, mais c'est parce que justement il y a une faiblesse institutionnelle. Les instruments qu'en général un gouvernement se donne pour pouvoir approcher ces problèmes n'existent plus. Et en même temps, je dois vous dire que l'accompagnement que nous avons reçu jusqu'ici de la communauté internationale, à mon avis, mérite d'être revu. Mais ce que je crois fondamentalement pour avoir fait ce travail un peu partout à travers le monde, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité haïtienne. La deuxième chose, c'est que malheureusement, jusqu'à présent, la population haïtienne n'a pas encore eu un gouvernement qui reflète sa générosité, sa résilience et sa capacité de travail. La troisième chose, c'est qu'il nous faut le leadership et la vision qui est avant tout haïtienne. Et la quatrième chose, c'est qu'il faut un accompagnement qui est beaucoup plus durable et qui nous amène à terme jusqu'à la résolution de nos problèmes, ce qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent. Est-ce que... Monsieur que par espérance, get un pilote bagaille, il était préoccupé par ça. Apôtre Amélito, apportez là, attendez bien. Monsieur que Pierre Espérance gagne pile l'autre bagage que l'été qu'a pensé pour pays à pour l'instant, c'est pas dossier muscadé en tape trop intéressé. Mais, le coup y a m'apprenne ça, Kerlin Adrien, et puis Malena Archive, vous avez 2 bagages qui attirent l'attention. Relation Pierre Espérance, connexion Pierre Espérance ak Nenel Kassi. Ande. Est-ce que moi di nou se pays a m'a ba un petit coup de main? Qui mêle mon nèg fâché ou pa vle ouais mon jour rem ou comprendre ça m'dou?
tout temps on fait anathème au nom de Jésus-Christ. Parce que nous son pays n'a pas un petit coup de main. Mon pas un problème que Pierre doit toujours exiger la révocation de Muscadet. Mais c'est sous qui ça Pierre basé vraiment? Parce que me songe RNDDH t'es besoin ou t'es révoqué Muscadet depuis le monsieur t'es voyé aller aux poissons. Si pas de bonté t'es et m'bote quand même qu'on parle à Muscadet, non, laisse ça. Si pas de bonté t'es, bon Dieu t'es bas en micro sur réseau social yo là. Organisation droits humains ça t'a valé Muscadet déjà. Parce que yon tout te fait au poisson passé pour un frère l'évangile avec Bible dans main. Ah. Eh ben, zo poisson, oui. Nèg 5 secondes, oui. Nous avons des gens qui ont fait la radio, oh Muscadet, nous avons fait exécution sommaire, les bagages, tout est citoyen paisible. Nous disons, oh, qui citoyen paisible? Et pas au poisson, ça me connaît, hein? Non, vois, moi. Me dit, c'est pas zo poisson m'gonne, hein? Les zo poisson tombé. Famille monsieur, c'est demain en l'air au marché, oui. Tellement monsieur ton poison rate pour famille, oui. On gâte race, oui. Depuis le sa m'a suivi. Le coup n'y a moi Pierre, parce que bon, m'pas comprenne. Parce que Pierre pas trop parler sur Ariel. Vous remarquez, monsieur a parlé souvent pendant qu'on y vient là. Et ceci, c'est belle petite parole qui a tombé. Généralement, il y a comme ça, n'est-ce pas? Vous comprenez ça? Parce que c'est même histoire qu'au renard. Apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Et ça va aller. Apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui ou celle qui l'écoute. Corbeau. Renard, comme pas de belle bête, vieille bête tout laide, non est passé dans le bec li. Pour renard, quand j'ai un petit fromage là, ça le dit, ou belle, ou jolie, ou c'est pi belle bête qui existait dans la rajea, etc. Et puis, comme au content, il ouvre bec li bien large. Bon fromage là tombé. Qui ça, renard l'a dit? Ou pas de jambe belle, frère, mon ami. C'est fromage là, m'a besoin. Nous te cherchons un gens pour me défendre. C'est même bagarre là, oui, tifakti garçon. C'est gazoline à calimet, yoye. A vrai bicha, c'est gazoline à limet, yoye. Justement, ou passez par A plus B pour qu'on joue la racine carré. Et puis, bon, t'as arrivé dans 3 pi au carré. Qui donc, sous Ariel, m'a pas trop marqué, puis y a trop parlé. M'a connaît. Qu'on y vini là, et puis de temps en temps, il y a parole là, dit. Le monsieur attaque l'imande parce que vous faites révoquer Richemont. Par contre, si c'est pour qu'à chercher égal égo à Richemont, peut-être, par contre, si Richemont est amis, par contre, s'il compte dénoncer Richemont, tout, par contre. Puisque vous révoqué Richemont là, monsieur vient là chercher une égalité, un équilibre, monsieur exige la révocation de Muscadet. Maintenant, moi, aller dans l'archive ça, avec nous pour me comprendre plus clair. Ça, c'est Muscadet. Monsieur, il a eu des petites photos ça, comme ça, il t'a parlé. ça c'est Muscadet qui l'a. Est-ce que nous songez événement ça? Archive la faut aller yo. Ça, c'est Nenel Kassi qui l'a. T'as une manifestation opposition à l'époque. Le fait que Nenel Kassi, je connais que, bon, c'est sénateur lié, etc., il met ni plat. Muscadet a l'air décidé. Nenel pape jamais oublié humiliation ça, jusqu'à ce que le mourir entre en bataille, et le pape jamais pardonné Muscadet pour humiliation ça. C'est-à-dire, si Nenel t'a tourné, vin la vin chef, premier nèg la font Jean là pour yo wété dans système là c'est Muscadet. Et la personne qui était Muscadet jusqu'à ce qu'elle quitte terre. Comme dit capable jamais chef encore. Eh bien écoutez.
Pour qui ça me fait parallèle ça? Parce que même après émission mio, me fait étape par étape et me voulait comprendre côté me voulait aller quoi. Mon côté me sorti, mon côté me arrivé. Nous disons que après humiliation ça, Nenel Kassi pas jamais pardonné commissaire gouvernement Jean-Ernest Muscadet. Et son vérité liée parce que Muscadet était humilié monsieur en tant que parlementaire. Nenel Kassi fait plusieurs tentatives déjà. Et m'a demandé si y a pas raison ça te fait dit bon, il va supporter Ariel encore parce qu'elle fait plusieurs tentatives pour révoquer Muscadet. Il a fallu un tété au micro. Tété on the mic. Nous dit non, ça va passer là. Me dit ouais là, si un volant Muscadet volant. Si c'est ma corruption Muscadet tombé. Si c'est abus monsieur a fait moun, si monsieur tombé dans viol, a fait ka déjà d'appiyam sous ti moun. Là, mon cher Muscadet, ma premier nèg qu'en face ou k'ap dénoncé comme vagabond malandré pas utile. Mais si c'est parce que monsieur gen élément nan mel, conseil de vagabond ka ba moun problème que nèg politique créé et puis c'est nèg ça vla le pourri ni plat Muscadet lagé ou até pa gen nèg ka vinn rete Muscadet la comme ça si m pa gon bagay vrai nou reprochel parce que reprocher Muscadet ka di évoqué là nèg ça ou pa jam tande ou a dénoncé coalition gang yo ak facilité. Muscadet, tout parle, monsieur parle, d'où lui-même, ni plat la prête cimetière pour bandits, pour criminels, pour assassins. M'ba jamb dit, m'ba m'dadel dit, nèg politique, nèg justice, nèg droits humains, m'ba m'dadel dit ça. Si tout langage, monsieur, c'est contre gang, son nèg contre monsieur, bon en gang, m'ba fin comprendre bagay ça. M'ba m'essaye comprendre, parce que tout, l'aide m'a parlé à Muscadet, m'a posé la question, pourquoi m'ba monsieur, d'où lui, d'où, ou est ni plat? La prête ton cimetière pour gagner. Elle doit nèg sa yo. M'a attaqué à boulet rouge. M'a attaqué bandia à la hauteur de ses actes. C'est ça m'dan de le dit. Eh bien, sou pas bandit pour ça qu'on saute là. C'est comme quoi il a parlé volo mal. Et m'y vont côté m'tombe plein, m'tombe client moué. Bon, on pas dans volo. Qui m'a l'aimé à jouer volo? On était en côté quelques militants qui a fait des blosailles. Et puis, Nenel Kassi vit lui-même comme ses chefs liés, et puis, comme s'il vient passer militaire ou derrière, il prend devant. Muscadet dit, bah, un problème. Sous pas vraiment arrêter militaire ou mettre là, ou prendre place. Ah, depuis là, ça m'a dit Muscadet. Ouais, en vérité, depuis là, ça m'a dit mon Muscadet. Puis, j'ai un bon dieu, félicitations, bon man. Eh ben, pas bon, non, mais. Il n'y a pas de viol là. Si je ne parle pas, je ne vais pas de aucun autre côté. Il faut aller au bout pour me comprendre bien. Le Nenel descend là, il ouvre le console parce que le sénateur lié, qu'on est opposition, ceci. Il n'y a pas arrêter militant. Il n'y a pas fait des ordres, il n'y a pas arrêter. Et oh, c'est autre bagaille. Muscadet dit pas un problème. Puisque je ne peux pas arrêter militant, je vais prendre place. Je vais essayer de jouer Muscadet. Muscadet marre, monsieur. Marre, koukra, bouye pas blague, non? Gade, bon, m'gade montre nous image la pique, côté l'autre, en image la, gade bien. Et ça, avec sénateur, là, sénateur, Nenel Kassi, Nenel, oui, là. Nenel gentil, papa. Bien gentil, Muscadet marre, à Bali, meni, là. Deux bras derrière, oui. Deux bras derrière, Muscadet marre, Nenel. Ouais, Nenel, Nenel, pas jamais oublier bagay, ça, jusqu'à ce que le mourant rentre en bataille.